Cameroun, André Onana quitte officiellement le Qatar. Mis à l'écart pour des raisons d'indiscipline, le portier de l'Inter Milan aurait finalement décidé de quitter le Qatar. En conflit avec le sélectionneur Rigobert Song, qui a tout simplement décidé de le mettre à l'écart, André Onana ne fait plus partie de l'aventure camerounaise au Qatar. Le portier de 26 ans s'est envolé ce mardi pour Yaoundé et quitte donc les Lions indomptables pour des raisons qui restent encore relativement floues. Le gardien du Cameroun, André Onana, a été écarté du groupe pour des raisons d'indiscipline avant le match contre la Serbie lundi, a confirmé le sélectionneur Rigobert Song, qui lui également, est resté évasif sur la possibilité que le titulaire habituel puisse rejouer au Mondial. Lors d'une conférence de presse d'après-match, le sélectionneur avait brossé de manière superficielle, les raisons l'ayant poussé à prendre un certain nombre de décisions, à l'encontre du portier camerounais, sans pour autant entrer dans les détails. Dans un groupe, il faut respecter les règles. Je préfère préserver le groupe que les individualités. Et lorsque vous ne correspondez pas aux critères de discipline, il faut prendre des responsabilités, des actes, c'est ce qui a été fait. On aura le temps de mieux vous expliquer de quoi il s'agit, mais il faut faire avec ceux qui ont l'envie et sont capables de défendre les couleurs du pays, a commenté le sélectionneur, avant de poursuivre. Contre la Serbie, c'est Devié Passi, qui évolue dans le championnat saoudien à Abja, et ne comptait que 5 sélections, qui a été titulaire. Il a démontré aujourd'hui qu'il pouvait être le concurrent d'André, a estimé Rigobert Song. Selon certaines indiscrétions, Song et Onana se seraient pris la tête lors d'une séance d'entraînement. Fatigué de recevoir des réflexions de l'ancien coéquipier de Samuel Eto'o, le gardien de l'Inter Milan se serait braqué et la situation se serait envenimée. Alors qu'on croyait la situation plus ou moins stable, après le nul face à la Serbie, où on avait pu apercevoir André Onana dans les tribunes, le départ définitif de ce dernier dans la tanière des Lions vient d'être annoncé ce mardi matin. Pourtant, Rigobert Song disait qu'il devrait être en observation pour les prochains jours. André est mis de côté pour indiscipline. C'est un maillon important mais, on ne remet pas en cause ses performances. J'ai demandé qu'il attende. On va voir s'il va changer, avait-il indiqué lors de la conférence de presse d'après-match, lundi. Le joueur a pour sa part confirmé ce qui était encore qu'une rumeur par un communiqué officiel publié sur son compte Instagram. Communiqué officiel dans lequel le joueur apportait lui également certains éclaircies sur sa décision de quitter le Qatar. On pouvait ainsi lire. Je tiens à exprimer mon affection pour mon pays et les Lions indomptables. Hier, je n'ai pas été autorisé à être sur le terrain pour aider le Cameroun, comme je le fais toujours, à atteindre les objectifs de l'équipe. Je me suis toujours comporté de manière appropriée, et pour mener l'équipe vers le succès. J'ai mis tous mes efforts et mon énergie afin de dénouer les liens d'une situation ambiguë, mais je n'ai pas rencontré la réceptivité espérée. Certains moments sont difficiles à assimiler. Cependant, je considère et respecte toujours les décisions des personnes garantes de la gestion et de l'encadrement de notre équipe. Tous mes encouragements vont à mes coéquipiers, car nous avons démontré que nous sommes capables d'aller très loin dans cette compétition. Les valeurs que je promeus en tant que personne et en tant que professionnel sont celles qui m'identifient et que j'ai héritées de ma famille depuis ma tendre enfance. Représenter le Cameroun est un immense privilège. La nation d'abord et pour toujours. Merci. Aux dernières nouvelles, André Onana risque de prendre sa retraite définitive avec les Lions indomptables. Les sources indiquent que les choses ont évolué dans le mauvais sens. Pour la suite de la compétition, les Lions indomptables devront compter sur Devié Passi, déjà titulaire lors de la rencontre face à la Serbie.